Pardon. Bah, bienvenue à l'INSEP. Pour ma part, ça fait 20 ans que je suis là. En fait, c'est là où tu t'es dévoilé, quoi. Ouais, on peut dire ça. Dévoilé, ouais. Et puis fabriqué en tant qu'homme, en tant que grand sportif. Et aujourd'hui, je suis coach. J'ai changé un peu le fonctionnement de ma vie. C'est maintenant essayer de transmettre et fabriquer des champions. Et ben moi, j'étais coiffeur et j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant 6 ans, complètement arrêté. Et pourquoi Parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec un patron. Ah. Du coup, bah, j'ai déprimé et j'ai arrêté complètement de travailler, j'ai fait autre chose. Et du coup, j'ai eu un lien avec l'atelier des talents qui permet à des anciens coiffeurs de revenir dans le métier, dans la coiffure, d'accord. Donc, j'ai pas hésité, j'ai foncé. Et l'objectif final, c'est ? Mon prochain projet, c'est la VAE. Donc valider mes 17 ans d'expérience. Okay. Et à long terme, ouvrir un salon de coiffure. Salon de coiffure. Ouais. Et tu pourrais faire quelque chose pour moi? Parce que là, je suis un peu malade. Hein. C'est vrai? T'es un docteur de la coiffure? Ouais. Ok, bon, on en reparlera plus tard. Tu vois, là, toi, pourquoi tu t'es dit, allez, je repars? Ça m'a beaucoup manqué parce qu'en fait, je pense que la coiffure, c'est vraiment ce que je veux faire depuis très longtemps. D'accord. Et que c'est vraiment une passion, en fait. Si je peux donner un conseil là-dedans, c'est d'avoir des objectifs à long terme, objectifs à court terme. Le premier objectif, c'est d'avoir la VAE, avoir tes clients, et puis ainsi de suite, et puis monter ton business, ouais. Et rester toujours dans tes rails, parce que si jamais tu gardes que le fait de monter ton entreprise, si tu as des moments de doute, tu peux te dire, ah, le sommet, il est loin, et tu ne seras pas forcément bien motivé. Alors que si tu te fais des petits feedbacks à chaque fois, tu verras que les paliers, tu les monteras tranquillement et tu repartiras pas trop loin. Ouais. Le principal, c'est que toi, tu perds pas confiance. Dès que tu as confiance en toi, après, tu peux aller même coiffer n'importe quelle star, tu verras. Je te le souhaite en tout cas.